Bonjour mes petits du ciel, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, à part le temps qui fait gris comme pas possible. Il pleut, ça n'arrête pas de la journée. Mais aujourd'hui, on est là pour, pour vous montrer mes petites pop que j'ai reçues depuis un moment, mais que j'attendais d'en avoir plus parce que j'avais commandé une par Facebook, d'autres que j'ai achetées en magasin et d'autres que j'ai pris chez Poképop, et du coup je voulais les rassembler pour faire une seule vidéo parce que j'ai 4 8 pop à vous présenter. Du coup je vais vous commencer par la chaise que j'ai retrouvée de Les Animaux Fantastiques. C'est une mission Unlimited Chaise comme ceci. Voilà, on le voit bien juste là, on le voit bien là aussi, avec sa baguette, enfin non, c'est son livre que j'ai eu pas cher du tout, que j'ai trouvé au magasin de jouets, et le prix en valait la peine, parce qu'au début, je n'étais pas trop fan des personnages. Deux animaux fantastiques, que je préfère les animaux, mais comme je l'ai eu à bon prix, je l'ai pris. Voilà, avec son petit livre où il marque tout. J'ai vraiment des, je sais pas si vous allez voir les détails sur le livre. Allez, focus. Moi je bouge un petit peu aussi, du coup il est bien marqué le nom des animaux fantastiques. Je le remballe. Après, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais reçu les pop du monde de Ralph, mais qu'il m'en manquait une. Il me manque toujours aussi une qui est toujours pas arrivée, mais elle va arriver. Je m'inquiète pas de ceci. C'était la Vanellope P, comme ça, comme ceci. Je vous la montre que j'avais. Je vous montre la collection. Je les ai toutes maintenant. Il manquera juste les plus les chaises et les éditions spéciales quoi. Bah, moi, je suis déjà contente d'avoir la collection comme ça, complète. Du coup, je vous la montre parce que celle-là, je la trouve trop mignonne déboxée comme ceci. J'en peux rien que c'est un peu flou là, mais c'est le soleil derrière, c'est la fenêtre de ma cuisine. Je la trouve trop mignonne avec tous ces petits bonbons dans les cheveux. C'est trop mignonne. Et son genre de bonbon, enfin son élastique en bonbon, c'est trop. J'adore ses cheveux, j'adore. Dites-moi comment voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vu le film déjà? De Ralph le point 2.0. Elle est trop mignonne. Il y avait une box que une box, ouais. Un truc avec des poupées Barbie que j'ai vu dans une vidéo, je ne sais plus de qui venait à Disneyland Paris et je la trouvais trop mignonne, mais c'est pas dans mon budget. Du coup, je continue dans les animaux fantastiques. Une spéciale comme ceci. Elle est trop belle. Les Autopies. Chewbacca. Je la trouve trop mignonne avec la bouche ouverte. Je vais d'abord vous montrer le derrière. Elle n'est pas. Enfin, on a juste celle-là. Avec la bouche fermée, et c'est celle-ci, c'est une édition spéciale. Donc, je vais vous la déboxer. Après, les autres, je ne souhaite pas trop les déboxer. Ils sont déjà reprotégés. Voilà. Regardez sa grande bouche, sa queue, ses pattes. Je peux vous montrer là en dessous, c'est mieux. Les pattes, elle est très belle. Très
Elle pique un peu, il y a des petits genres de picots dessus, comme un vrai lézard. Elle est trop belle. J'adore la bouche grande ouverte. Si je pouvais la laisser déboxer, je mettrais un truc dans sa... un petit verre ou je sais pas quoi. Et pour le moment, je ne sais pas, j'ai plus assez de place. Du coup, pour le moment, elles sont toutes un petit peu l'une sur l'autre. Après, j'ai une spéciale des 20 ans de Toy Story, c'est Miam, mais c'est pas son nom français, je pense. Miam, le cochon, Miam. C'est jambon, comme ça en français, ça fait jambon. Du coup, c'est pas du tout ça, mais il est très beau. Parce que j'avais trouvé Toy Story. Une bonne. Et du coup, bah, on voulait finir la collection de celle-ci. Du coup, j'ai Toy Story. Toy Story. Je ne sais plus leur nom. Buzz, Woody, Miam et Rex. Rex, je l'avais eu dans une convention. Aussi, je l'avais trouvé sur Facebook. Celle-ci, c'est trouvée sur Facebook. Un particulier. Voilà. Après, ici, j'en ai trois les mêmes que je vais vous montrer. Il y en a une que je vous avais déjà montrée, mais j'avais la boîte toute abîmée et du coup, on l'a trouvée avec la boîte plus du tout abîmée. Du coup, j'ai repris une de Oga Boga. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, parce qu'elle a l'air protégée. Regardez, il y a une autre protection. Parce que je les mets tous comme ça, les autres ne sont pas encore mises. Voilà. Comme ceci. Après, on a la petite Coco Body Coat. Elle est trop mignonne, je trouve. J'adore. Comme ceci. C'est pour cette collection. C'est pour la terminer. Il me manquait plus que les trois que j'ai à vous présenter. Et alors, j'ai quand. Bandicoot avec les palmes. Celle-ci, j'avais envie de trop la sortir. Mais déjà, on va essayer de boxer. Vous voyez, elle est dans un. Pour les sortir, c'est plus compliqué, quoi. Un truc comme ceci en plastique. C'est une box. Ça vaut la peine de les mettre dedans. Ça les abîme pas, ça reprend pas les poussières. Celle-ci, elle est trop belle. Crash Bandicoot en sous-marin. Pourtant, quand je fais le jeu, tout le temps que je fais sous l'eau, c'est le seul truc que je n'aime pas faire sur le jeu. J'ai horreur de jouer dans l'eau avec Crash, que je fais toujours des bêtises. Ouais. Et j'ai envie de jouer sur ma chaîne. Faire du crash. Je vais peut-être faire du crash. Peut-être ce soir, après avoir tourné mes vidéos. Comme il est déjà 4 heures, je vais la remettre dans sa boîte en plastique directement. Et alors, la petite dernière, c'est mon coup de cœur, mon gros coup de cœur, je vais remettre là en attendant, mon gros, mais gros, 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 gros coup de cœur. C'est celle que beaucoup attendaient. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà eu. Moi non, comme je suis en Belgique, je les ai toujours un peu plus en retard. Comment on dit, c'est ça? C'est Stitch avec son cœur de Saint-Valentin. Il est trop mignon, j'adore. Dans cette collection, il me manque Lilo et la petite poupée. Je ne sais jamais son nom. Trop mignon. Je vais essayer de la déboxer doucement. Et celle-là, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer.
qu'il est... En fait, c'est le stick normal et on a juste mis le cœur dans ses mains. Il est trop belle. Trop... Avec ses grandes oreilles. Voici mon petit Stitch. Regardez son petit cœur. Trop mignon. Trop mignon. Et en seul que j'ai envie pour le moment, ce serait pour avoir la box Dumbo. Que j'attends aussi pour l'avoir. Mais pour le moment, mes moyens ne me le permettent pas trop. Du coup, ben, j'attendrai quand j'aurai mes moyens. Sauf qu'elles montent déjà très vite en prix. Ce qui me fait peur. Du coup, voilà. Et alors, j'aimerais bien aussi le grand Mickey. Pourquoi tu ne rentres plus? Le grand Mickey de 10 pouces. Et alors, il y a les petits Mickey en gamer. Si vous allez sur ma page Facebook qui est dans... Dans la barre je sais pas rentrer, ça m'a dit. Dans les barres d'infos, tout est mis. Il y a Discord, Facebook, Instagram et mon Twitter aussi. Allez-y. Bon, je suis pas très 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 active dessus, mais dès que j'aurai du monde, je serai actif. Et ben voilà pour mes petites pop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dès que j'en aurai, j'espère d'avoir la Dumbo d'ici bientôt, j'espère. Faut attendre que les moyens remontent un petit peu, qu'on achète tout d'un coup, c'est vrai que ça descend. Mais ce n'est pas grave, on va attendre pour récupérer, enfin, essayer d'avoir la Dumbo, la Mickey 10 pouces et le 10 pouces, je pense, si je sais, peut-être l'avoir ce mois-ci, j'ai envie, mais on va voir. Et le Mickey Gamer aussi. J'en ai un qui me plaît bien que je vais essayer d'avoir aussi ce week-end. Et alors, celui qui regardera la vidéo... Non, je la mettrai après. Du coup, non, après le week-end, du coup, ça va pas. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu de mes petites pop. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, ça me fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous si vous n'avez déjà pas fait. Et mettre la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, vous serez au courant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!